à attaquer le beurre composé aux fines herbes. On peut appeler également le maître d'hôtel. On va légèrement le citronner au final. Les herbes, on va prendre aujourd'hui du persil plat. On va directement couper des feuilles très finement, sans forcément lever les tiges. On va s'arrêter bien sûr avant. Une fois que les herbes sont finement hachées, le beurre qu'on a laissé dehors à température ambiante pour le rendre bien pommade, bien souple, on va pouvoir le mettre dans une calotte. On va rajouter toutes les herbes ciselées par-dessus. On va assaisonner avec un tout petit peu de fleur de sel, qui sera beaucoup plus douce que le sel fin, et quelques gouttes de jus de citron jaune. À l'aide d'une marise, on va commencer à travailler le beurre pour incorporer complètement le sel, le jus de citron et les herbes. Une fois que tous les éléments sont incorporés, on va pouvoir le réserver à température ambiante, le beurre aux herbes. Et à l'aide d'un papier film, je vais faire un grand rectangle de papier film. Bien tendu. Et sur la base, on va commencer à mettre le beurre aux herbes. Et ensuite, on va le rouler pour faire un boudin bien régulier, que l'on laissera bien sûr au réfrigérateur, où l'on pourra couper de belles rondelles bien régulières. Cette préparation va également au congélateur, n'hésitez pas à en faire un peu plus pour avoir de la réserve. On va pincer les deux extrémités et ensuite on va le faire rouler pour uniformiser notre boudin.